Allez, une autre nouveauté de cette version 9 de 7 jeux sans immobilisation, une nouveauté qui n'est pas visuelle, mais effectivement, lorsque vous allez eh bien, procéder aux archivages, par exemple de vos immobilisations, eh bien, le fichier qui va être structuré, notamment avec les dates de début et de fin de l'exercice, pour que vous puissiez retrouver vos fichiers d'archives plus simplement avec 7 jeux. Ouais, ce n'était pas le cas avant, c'était un peu dommage, il fallait d'ailleurs le renommer parfois, souvent même manuellement. Et voilà, depuis donc plus besoin de le renommer manuellement, les fichiers d'archives sont enfin correctement nommés avec cette version 9 de 7 jeux sans immobilisation, mais c'est aussi vrai pour les autres logiciels qui produisent des archives dans la ligne 100 de 7 jeux.